Allez, on va en faire la dernière mission avec Kei Makino. Donc là, faudra bien garder nos balles. Sun's already setting. No time to lose. Ça c'est bon. Donc là, faudra battre tous les Shibito et puis atteindre la route des vannes. En direct, on change d'item. On prend le marteau. Donc je rappelle que le marteau, normalement, on l'avait au gameplay numéro 11. Et donc, ce qui est important, c'est aussi d'avoir le pieu. Donc, le pieu, c'était Shiro Miyata qui l'avait. Par contre, pour retrouver le gameplay, Shiro Miyata. C'est plus. Voilà. Gameplay numéro 41, si vous voulez savoir où était le pieu. Ce sera très important pour justement un des Shibito. On va devoir battre avec ça pour pouvoir l'immobiliser. Donc là, faudra que j'aille en puits numéro 3 est. Donc là, faudra pas que je me trompe. Puits numéro 3 est. Ah, c'est celui-là qui se trouve tout à gauche de la cabane. Ok, donc let's go. Toi, descends s'il te plaît. Hop. On prend les clés de la porte. Ah, j'ai pas l'autre Shibito qui vient me faire chier. Bon, c'est pas grave. Hop, on débloque. On ouvre. Tac. Hop, en un coup, c'est battu, ça. Tiens. Là, il y a du monde, là. Merde. Trop de monde là, trop de monde là. Allez, allez, allez. Kei, bouge-toi. S'il te plaît, alors. Là, toi. Tiens de moi. Allez. Hop, putain! Attends pas 2 heures. Hein. Donc, puits numéro 3, il est là. Là, faudra que je parte. On a vu que c'était Mina. Donc Mina, faudra lui que je lui tire 2-3 balles. Oh, et puis elle recule pas, évidemment elle fonce droit. Là, il y a les explosifs que je les raccorde. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là, on est d'accord. Ensuite, il faut que j'aille au puits numéro 5. Donc, puits numéro 5, normalement, c'est le puits qui est à côté. Voilà. Allez, hop. On y va. Merde, puis à l'autre, là. Voilà, je reprends mon pistolet pour Batriza, la sœur jumelle de Mina.
Pareil, il faudra les 3 balles, donc vu que j'ai plus que 6 balles, ça tombe bien. Hop là. 3. Voilà pourquoi j'ai besoin du pieu, c'est pour elle. Hop. Donc là, après avoir battu donc Mina, ah oui, elle laisse tomber donc des clés. Et les clés, c'est ce qu'elle a récupéré dans le gameplay numéro 9. Si vous les retrouvez. Voilà, il y a des clés, hop, on les prend. Hop, c'est les clés de la cabane de sirène. Donc j'ai besoin du pistolet maintenant, on va reprendre le marteau. Bah justement, il l'a équipé d'office vu que je viens de la battre à coup de marteau. Donc la cabane de sirène, c'est celle-là. On la débloque. Tac. Et il faut appuyer sur le détonateur de la bombe. Qui est là? Ah, tous les Shibito sont morts. Parce qu'en fait, la bombe est donc dans la mine. Et vu que le cerveau Shibito c'était Risa, donc du coup ben, je l'ai complètement tué. Ce qui fait que tous les Shibito ben, là sont morts, même celui qui gardait le wagonnet là. Il est dead, donc là je peux me barrer. Hop. Mais bon. Flames of eternity, in exchange for my life. Des jumelles, je suis au paradis. Non, n'avance pas, n'avance pas, n'avance pas. Oh putain, voilà, Kay est mort.